Alors bonjour à tous, aujourd'hui nous sommes samedi 9 octobre et nous vous proposons une balade au Salon du Végétal de Chantilly pour découvrir les nouvelles variétés et les stands intéressants. Suivez-nous! Ouais, là on a un magnifique stand. On va essayer de trouver Armel et Rémi. Alors vous avez jeté votre dévolu sur quoi? Pas sur tout, mais on a plus de sous. D'accord. Ah, tiens, viens voir, tiens. Ça, c'est... Ça fait partie de mes coups de cœur, le l'Europétalum. Alors j'en ai planté un dans mon jardin. Et là, bah, je le suis régulièrement. C'est presque noir. Hein. C'est presque noir. Et alors surtout, c'est que son feuillage, sa floraison au printemps, c'est vraiment, vraiment super. Hein. Donc j'ai hâte de le voir fleurir. Hein. Ah oui, j'aime bien, moi, le concept. Je pense que c'est combien pour... Le Benoît, elle est à 1800. 1800. Donc, on la laisse dehors à l'année, ça ne bouge pas. Ah non, ça ne bouge pas. Comme le vent qui est cassé. Ouais, ouais, ouais. C'est sympa parce que... C'est pas un toilette japonais, non? Toilette japonais. Non, mais on imagine derrière une haie, avec des arbustes de couleurs. Ouais, ouais. En plus, au niveau entretien, bah, il n'y en a pas. Bon, c'est bien ? Oui. Alors là, on est dans un stand où ça vend un peu de tout. Et là, on est sur les alocasias. Là, il y a une collection de plantes. On m'a appelé. Regarde, là aussi, t'as vu, regarde. Madame la Présidente ? Non. Non ? Là, on est sur un stand où, oui. Franchement, il n'y a que des choses originales. Ouais. Alors, le stand s'appelle... D'ailleurs. Mais pétale d'ailleurs. Voilà, sur le stand de Chantilly. C'est un stand qui est plutôt sur le feuillage. Ah ouais. Sur la floraison. Ouais. Parce que j'adore ça, les feuillages, je trouve ça plus intéressant que la fleur par elle-même. Mais là, si tu t'approches, vas-y. Ça vaut vraiment le coup. Montre-nous. De faire un petit tour sur ce stand. Si vous voulez des plantes un petit peu qui sortent de l'ordinaire, là il y a de quoi faire. En fait, vous achetez tout. Le Manfreda. Ouais. Vous connaissez pas. Hein. Non, mais partout où on regarde, c'est joli. Et peu commun. Ouais. C'est des plantes qui viennent essentiellement de montagne en fait. Qui viennent du Chili, qui viennent de Nouvelle-Zélande, qui viennent de l'Himalaya. Voilà,
voilà, qui ont un aspect vraiment exotique, mais qui ont quand même une densité qui est acceptable chez nous. Donc moins 10, enfin globalement elle résiste. Moi j'essaye d'avoir moins 7 au minimum. Minimum moins 7. Moins 7. Et vous allez vous-même dans des pays Alors j'y vais, mais pas tout. Hein. Ouais. Et, des fois je commande la grange. Une collection d'aracées aussi qui est assez importante, des Amphiphalus, des Aricema. Je ne sais pas monter là parce qu'ils commencent à être en repos. Là. Ouais. Sinon, vous êtes basé où ? À Boissy-Saint-Léger. Boissy-Saint-Léger, bon, c'est pas très loin. Je regarde, bon, là on connaît, Erythrina on connaît. Ouais. Regarde, l'Ambotrium, la forme de la fleur. Enfin, vraiment, tout est joli, quoi. Ça, on a eu, ça. On l'a toujours. Oh, vraiment, tout est joli. Quelqu'un qui voudrait des plantes qui sortent de l'ordinaire, là, ah bah, c'est là, ce stand, hein, ouais. Là, c'est vraiment original. Hein. Vous avez un site en ligne, non ? Oui. Voilà. Pétaledailleurs.com. Pétaledailleurs.com. D'accord. Merci. Pétale au singulier. Et voilà, on va quitter le stand en leur souhaitant bonne vente. Voilà. Ça butine. Alors là, Thierry, Ruellia, c'est une plante dont on a testé au printemps dernier, qu'on a mis en pleine terre. On l'appelle aussi le pétunia du Mexique. Alors là, on voit des plantes déjà d'un certain âge. Ce que je regrette, c'est que ce ne soit pas plus florifère que ça, parce que ça fleurit vraiment aux extrémités. Ça fait vraiment des petites fleurs sympas, hein. On dirait vraiment effectivement des petites fleurs de pétunia. Au milieu de massif, alors ? Il faut vraiment que ce soit au milieu de massif, mais bon, de son feuillage qui est un petit peu foncé comme ça, ça peut contraster effectivement dans un massif avec d'autres plantes. Mais il ne faut pas s'attendre, finalement à quelque chose de très très florifère. Voilà, on va dire que c'est une plante originale, mais voilà, c'est mon petit regret, c'est qu'elle ne soit pas plus florifère que cela. T'imagines l'été, si tu du Gloriosa. Déjà, ils paraissent plus frais. Oui. Eh bien, écoute, on va en prendre un. Qu'est-ce que t'en penses ? Elles sont jolies, hein ? Gloriosa, oui. On a fait un début de vidéo. Et ça n'a rien donné. C'était complètement sécos. C'était des Gloriosa que j'avais ramené du marché aux fleurs d'Amsterdam. Oui. Le problème, c'est qu'on a trop tardé pour les replanter. On les a gardés dans leur conditionnement. Oui. Et ils se sont tout simplement déshydratés. Mais on a tenté. Et on les a quand même plantés, mais ça n'a rien donné. Là, on voit quand même que c'est quelque chose de frais. On va en prendre un. Ouais. Donc, c'est haut. Oui. Un ou trois ? Bah, un, ça va peut-être faire just. Si on doit. Ouais, il faut assurer, ouais. On se trouve où ? Devant le stand des prix. Décerné au Salon de Chantilly pour la saison donc automnale. Voilà, il y a les différents. Le coup de cœur du jury. Ah, regarde celui-ci là. Je ne sais pas du tout ce que c'est. On dirait une protée. Hein. Vu la forme de la fleur. Ouais. On s'interrogeait pourquoi du coup de cœur, parce que c'est
c'est relativement assez simpliste. Alors l'odeur exacte, je ne sais pas. Un peu de miel, je trouve que ça sent le miel. Ouais, je sais pas. C'est... Mais alors la couleur de la floraison est quand même assez intéressante parce que c'est orange. Quand même pas anodin. Voilà. C'est que les fleurs, hein, mais surtout ça sent bon. Ouais. Alors, la fin de la journée arrive et voici nos achats, les achats du jour. Voilà, on s'est fait plaisir aussi. Ouais. Allez, à bientôt.